Nous sommes le 23 juin 2006, 2021. On y va. Dans le quantième. Vous remarquez que donc tout ce que ça nous dit ici, pour ce qui est bien là, qui vous concerne, c'est noté ici depuis, même la première fois que je suis pour donner le série pour vous, c'est là. Passez ça ici. Je n'ai pas encore parlé de cela. Je ne parlerai pas de cela parce que c'est conditionné pour vous. Là, c'est le quantième déjà, frère. C'est le. Non. C'est le troisième que vous avez là maintenant. Il a parlé de l'atterrissage, des accidents d'avion dans un pays de l'Est, l'Afrique de l'Est. Vous ne connaissez pas le pays là, non? C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Donc quand vous dessinez, quand vous dessinez l'Afrique comme ça, là, du côté, vous regardez ça devant vous, du côté droit comme ça, un peu en bas. C'est là. Il y avait, ici, il y avait parlé de l'esprit de noyade, n'est-ce pas? Du coup, donc, oui, il y avait parlé de ceci. On va prendre quel encore ici. Voilà, accident encore ici. C'est le 18 juin. Vous avez dit sur le troisième là-bas. Donc, quatrième, notez quatrième. Accident impliquant un camion transportant des marchandises. Cette fois-ci, c'est au Cameroun. D'accord. Si vous voyez un accident dans un autre pays qui concerne le truc, c'est pas ça que Dieu m'a montré. L'autre aussi, c'est au Cameroun, je vous en ai parlé. Accident impliquant un camion transportant les marchandises. Donc, déjà des camions qui ont des longues derrière. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est sûr qu'elle entend ce que ça veut dire. Quand on va dire que vous êtes intéressé pour le plaisir, oui, mais là, elle est dormie. Donc, elle ne sait même pas de quoi on est de parler. Quand on va dire que vous avez pris Amen, elle va dire Ah, Amen. On boit la bouillie. Et puis, on se sépare. Donc cet accident, ça concerne les camions qui transportent des marchandises, des goods. C'est-à-dire que ceux qui transportent déjà, aussi des marchandises qu'on quitte du Cameroun, ça transite au travers des douanes pour aller dans des pays étrangers. C'est de ça dont je viens de parler. Donc, vision de l'accident d'un camion transportant des marchandises. Particularité. La particularité de cet accident, c'est que ça tombe dans un contrebas. C'est-à-dire qu'il y a un endroit comme une descente, et là il y a le coup d'eau. Et la marchandise là vient frapper sur les gens qui sont là-bas et ça enterre les gens. Donc, dans un petit coup d'eau, combien de personnes sont-elles impliquées, qui sont les disparus dans le fond de ce coup d'eau? Veillons et prions pour ceux qui voyagent à la Scranée. S'il y a des conseils. C'est pas si on va arrêter. Mais non, je crois que veillons et prions parce que je vais entrer dans le clan de conseil, ça ne sert vraiment à rien. Parce que vous voyez quelqu'un qui a de prendre le camion, en train de voyager, on lui met la pression que tu vas arriver tel jour. Et puis la personne a de le conduire, dort au volant. Et toi, tu sors de ta maison sans prier. Tu roules avec ta famille, tu roules, tu chantes. Hé, 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 hé. Tu arrives au tournant, le diable dit ouais, je crois que tu es celui-ci qui a de dormir au volant. Comme il dort là, il faut que je cherche même trois dégâts collatéraux qui veulent mettre sur ça. Il te met à la même position que lui. Vous entrez en collision, bam, il dormait lui au volant. Tu partais toi chez toi, vous rencontrez, il t'envoie dans le feu. Là-bas, tu ouvres les yeux, tu es de l'autre côté du rideau. Voilà quelqu'un, les innocents qui viennent tomber parce que un patron a dit, je veux mon camion tel jour. Il conduit sans se reposer. Donc ça, c'est une faute. L'accident dont je viens de parler, c'est une faute humaine. Vous avez moi, là c'est le quantième. Que Dieu vous bénisse.